D'un côté, MHD, 21 ans, guinéen sénégalais d'origine, résident à Paris, dans le 19e. Phénomène internet rap du moment. De l'autre, Elom Vince, 33 ans, résident à Lomé, Togo, étoile montante de la planète rap engagée. Deux histoires de style qui remportera la battle. Septembre 2015, Facebook repère Mohamed Sylla sur une reprise de Shekini des Nigérian P Square. Le phénomène viral MHD est né. Son style, l'afro-trap, mélange de rap, de trap et de musique africaine, en jaillant festif contagieux, à grands coups de gimmick. Qui veut de la moula ? Négro, ça fume que la moula. Mais qui veut de la moula ? Mais négro ne fume que la moula. Les portes du Nord sont closes, comme ces maisons qui peuplent nos vies. Elom Vince, c'est l'intellectuel du rap africain, diplômé de relations internationales. Il rappe pour dénoncer. Merliche, on a la foi. L'Afrique porte sa croix. Artiviste, contraction d'artiste et d'activiste, panafricaniste, son deuxième album Indigo est un cri de colère. Qui dirige nos états, le chaos précède la construction. C'est ma théorie. Hier, Charvi, aujourd'hui Marikana. Biko est-il mort pour rien? Et Zulu Shaka, pour nos morts, son sépulture, leur dignité est violée. J'ai fait le dos sur moi-même afin de brûler la paix. Les gens de totalement castrés, nos leaders n'ont rien de Castro. Du glaçon, de la graisse, à la place du cerveau. J'ai des... Dans son crew, MHD compte Booba, mais aussi Black M. Aux côtés du Togolais, Oxmo Puccino, Pepe Oleika et le Ghanéen Blizzy Ambassador. MHD se rêve en émar de son domaine, et l'homme Vince vise une musique intemporelle. Déhanchement frénétique d'un côté, versus invitation à la révolte. Deux visions du rap, que le meilleur gagne.